Dans la nouvelle mise à jour de Foxhole, une refonte complète du système maritime a été mise en place. De nouveaux navires, de guerre et de logistique sont disponibles et permettent de nettement améliorer cette partie du gameplay. Notre clan a pour théâtre d'opération le front ouest, une zone remplie d'îles et étant parfaite pour tester toutes les nouvelles fonctionnalités. Le premier navire à être débloqué par la recherche est le Gunboat, un navire disposant d'un mortier, d'une cabine d'observation et de deux emplacements d'armes statiques, mitrailleuses, canons, etc. Une dizaine de membres d'équipage peuvent prendre place sur ce navire. On a décidé d'aller farmer et de s'en procurer un le plus vite possible. Cette première opération avec le Gunboat a duré des heures. Le combat était acharné, nous avons mis le cap vers Stema Landing et avons coopéré avec d'autres équipages afin d'avoir la force du nombre. L'objectif est de perturber les opérations sur les côtes et les îles appartenant aux Colonials, mais aussi de nous défendre de la marine ennemie très présente dans la région. Après avoir bombardé des bases ennemies et rechargé nos munitions, nous avons pris part à des combats maritimes avec de nombreux bateaux ennemis. Watch out, West, direct fire, Gitu, ils sont là, frérot. Babord. Go left, brother. Full port side. Enemy Gundo, right there. Right, keep going. Grind them up. Fire at the crane. Helvete. We're killing the relic. We try. Direct fire. Go slow. Revert, boys. Revert. Oh, there they are. It's 3 against 3. Watch out, there are two more. Southeast, two more. Gitu, southeast. Zero, turn. Essaye. Ah, on se fait éclater. On a perdu le moteur. Il faut qu'on retourne au shipyard. We're engine down, if you just push us. Ayant été fortement endommagés, nous sommes allés réparer au port le plus proche, avant de repartir au combat et de vivre encore de nombreuses péripéties. Rendez-vous dans la partie 2 de la première OP Gunboat, encore plus de combats, encore plus de délires, mais aussi la fin tragique du navire.